Allô? Le professeur? Non, pas encore. Oui? Ah? Oui? Bon, je vais lui dire dès qu'il aura fini. Parmi les nouvelles espérances données à l'homme, la plus grande n'est-elle pas de retrouver une part de sa jeunesse physique? Cette espérance, l'hétérogreffe nous la porte. Mais l'hétérogreffe, c'est-à-dire la transplantation sur un être humain de tissus vivants ou d'organes prélevés chez un autre, n'était possible jusqu'ici que lorsqu'on se trouvait en présence de deux individus présentant une parfaite identité biologique. Il s'agit donc pour nous de modifier biologiquement la nature de l'organisme destiné à recevoir des tissus vivants étrangers. Une de nos méthodes consiste à détruire, au moyen de fortes radiations de rayons X, les anticorps qui font obstacle à l'hétérogreffe. Seulement ces radiations doivent pour cela être portées à une intensité telle que l'être humain n'y survit pas. On pratique alors l'exsanguination. On vide de son sang jusqu'à la dernière goutte le sujet irradié. On vient de téléphoner pour vous, monsieur le professeur. L'Institut médico... la morgue, quoi. Il faut que vous y alliez tout de suite. Cher professeur, votre exposé à lui seul était déjà revivifiant. C'était passionnant, n'est-ce pas, Carl? Passionnant. Quel merveilleux avenir vous nous ouvrez. Pour ce qui est de l'avenir, madame, il faut quand même s'y prendre un peu plus tôt. Comme il a changé depuis la disparition de sa fille, il vous a de ses réflexions bizarres. Évidemment bien étrange, mais ça m'a tout l'air d'être ça. Quand la fille du professeur Genesi a disparu de la clinique, il paraît que sa figure n'était encore qu'une plaie. Évidemment, cette disparition du masque épidermique confirme votre supposition. L'accident de voiture, les brûlures profondes au visage, puis le séjour dans l'eau. Avec les rats, docteur. Il faut y penser aux rats. Ah, c'est vrai. Ah, il n'en reste pas moins que le signalement de cette jeune noyée est également le même que celui de Simone Tessot. À 3 heures, j'ai convoqué M. Tessot, son père. De plus, tout n'est pas parfaitement clair. Moi, ce qui me semble curieux, c'est qu'on l'ait repêché complètement nu, sous un manteau d'homme. On ne voit pas en effet pourquoi la fille du professeur, désespérée d'être défigurée par un accident de voiture et voulant se noyer, aurait éprouvé en plein hiver le besoin de se déshabiller avant de se jeter à l'eau. Puis cette énorme plaie à la place du visage. C'est singulier. Les bords en sont aussi nets que si l'on s'était servi d'un scalpel. Ah, le voilà. Inspecteur Parot du service des recherches dans l'intérêt des familles. Monsieur le professeur, je déplore infiniment les tristes circonstances qui nous font nous rencontrer. Expliquez-moi. Ce matin, dans la Seine, deux mariniers ont repêché le corps d'une jeune fille. Son séjour dans l'eau correspond à peu près au temps qui s'est écoulé depuis que Mademoiselle Genessier a disparu de la clinique. Le signalement concorde. Le visage est endommagé. Seuls les yeux sont intacts.
C'est bien elle. Christiane. Monsieur Tessot est là, docteur. Dites-lui que l'identification est faite et ne laisse aucun doute. Il ne s'agit pas de sa fille. Bien, docteur. Je l'avais convoqué au cas... Oui, bien sûr. Monsieur le professeur, excusez-moi, Henri Tessot. Oui, je suis venu aussi au sujet de ma fille. Et le gardien m'a dit que c'était la vôtre. Est-ce que vous êtes certain, monsieur le professeur? Très certain. Hélas, monsieur, trop certain. Oh, ça m'a donné un tel coup tout à l'heure quand ils m'ont téléphoné. J'ai cru devenir fou. Mais oui, 10 jours, monsieur, qu'on n'a pas vu Simone. Il faut qu'il lui soit arrivé quelque chose, hein? Je trouve curieux, monsieur, que ce soit moi qui dois vous réconforter. Après tout, vous, il vous reste un espoir. En vieillissant, il commence à ressembler à son père. Vous vous souvenez? Le vieux Gensier, le notaire, n'était pas maigre non plus. Lui, il n'a vraiment pas de veine, en tout cas. Sa femme qu'il a perdue il y a 4 ans, sa fille maintenant, on dirait Paris, la gloire, la fortune, et ben, total. Non, non, partons. Je n'en peux plus. Tais-toi. Mmh.
Je n'aime pas cette manie de fouiller partout. Je n'ai pas encore eu le temps de t'expliquer, ma petite fille. Bien sûr, tu vois ton nom encadré de noir. Bien. Qu'est-ce que tu imagines? Je n'ai pas besoin d'imaginer. Je vois des choses horribles. Je les vis. Qu'est-ce que tu as encore fait? Ce qu'il fallait faire. Pour ton bien. Toujours pour ton bien, Christiane. Se faire part, c'est une simple substitution de nom. Puisque cette fille est morte à la suite de l'opération, j'ai pris un risque de plus. J'ai fait croire qu'il s'agissait de toi. Puisque tout le monde te croit morte, les gens n'approfondiront pas. Ils ne chercheront pas à savoir ce qui se passe ici, surtout. Christiane, ton masque. Pour une fois pour toutes, l'habitude de porter ce masque. Où l'as-tu caché? L'habitude. Maintenant, je voulais dire, prends l'habitude de le porter pendant le temps qui nous sépare de la réussite. Ne pleure pas, ma chérie, je t'en supplie. Je réussirai, je te jure. Je n'y crois plus. Tu n'as aucune raison de douter de moi. Bon Dieu, on sait ce que je vaux, non? Tu auras un vrai visage, hein? Je te l'affirme. On m'a enlevé les miroirs. Mais il y a les vitres qui me reflètent. Quand la fenêtre est ouverte, il y a tout ce qui brille, la lame des couteaux, le bois verni, ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur encore. Soyez confiante, Christiane. Regardez-moi. Est-ce qu'il n'a pas déjà réussi sur moi? Vous aviez un visage, vous. Abîmé, peut-être, mais pas détruit comme le mien. Il me ment. Il me ment parce qu'il sait que c'est sa faute. Sa faute. Un accident de voiture. Le hasard. Le hasard. Son besoin de dominer tout le monde, même sur une route. Il conduisait comme un dément. J'allais mourir après l'accident. Pourquoi a-t-il tout fait pour que je vive? Je voudrais être aveugle. Aveugle. Morte. Christian.
Je vois que vous êtes seule, mademoiselle. Si vous voulez profiter de ces billets, une amie devait venir avec moi, mais elle n'est pas là. Mais avec plaisir, madame. L'ennui, c'est que je n'avais pas l'intention de prendre une place trop chère. Mais rassurez-vous, ce billet, je vous l'offre. Merci. Excusez-moi, je suis en retard. Le cours a fini après l'heure. Ça ne fait rien. J'étais seulement impatient de vous apprendre la bonne nouvelle. La chambre que vous cherchiez. Ça y est, je l'ai. Pas possible. Comme je suis contente. Mais comment vous remercier? Vous me remercierez quand vous aurez vu la chambre. Je crois qu'elle vous plaira. Quel quartier? Un très joli quartier. Madame Désir? La même chose pour mademoiselle. Allons là-bas, j'ai la voiture. Les propriétaires sont des amis. Vous verrez, c'est plein d'arbres. J'ai fait une grande tour. La route directe est tellement encombrée à cette heure-ci. Et voici le train que vous amènera tous les jours à Paris. Et en moins de 20 minutes. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seule, si loin de votre famille? Si, un peu. Quelquefois. Les chiens. Il y en a combien? Vous voyez, vous serez bien gardés. Mademoiselle Edna Gruber, Monsieur Dormeil. Heureux de vous rencontrer, mademoiselle. Un peu de Porto pour vous remettre de ce petit voyage. Non, merci, monsieur. Je ne voudrais pas trop m'attarder.
Bon, voyons. Nous ne sommes pas si pressés. Dans un instant, je vous montrerai votre chambre. Elle donne en plein sur les arbres. Je suis sûr qu'elle vous conviendra. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Non, non. D'abord, la chambre, il faut que vous la voyez. Évidemment, la nuit, on ne se rend pas très bien compte. Ce n'est pas ça, madame, mais la banlieue, vous comprenez, c'est pas très commode pour moi. Comment ça, mais si? La banlieue, c'est très commode. Très commode. Peut-être bien, après tout, mais je ne voudrais pas rentrer trop tard à Paris, ce soir. J'ai rendez-vous avec une amie. Je vous dirai demain. Demain. Il sera trop tard, mon petit. Après le dîner. Mais cette fois, il faut que je prélève un greffon plus large. D'une seule pièce. Et sans coupure. Thank you.
Crayon. Grâce. 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 Vous comprenez, docteur, les jeunes, c'est toujours pareil. Ils aiment les animaux quand ils sont petits. Après, quand ils sont grands, ils mangent trop. Alors, on les abandonne en forêt.
Moi, j'estime qu'on ne doit jamais faire les choses à moitié. Oui, bien sûr. Surtout que ce qui est le plus facile, c'est la dernière moitié. Oui. Allez. Très bien mangé. Il était temps, elle, de périsser. Elle est heureuse cette fois. Elle a confiance. Enfin. Je lui ai fait voir que ça se cicatrise bien cette fois. Je refais le pansement. En dessous, c'est net. C'est parfait. Beaucoup mieux qu'hier, tu verras. J'ai si peur. Non, tu as tort. Moi aussi, j'ai confiance cette fois. Moi, j'espère, c'est tout. Une réussite comme celle-là, bon Dieu, ça n'aurait pas de prix. J'ai fait tant de mal pour ce miracle. Tant de mal à toi aussi. Bien sûr. Mais je n'oublie jamais que je te dois mon visage. Mais oui. Moi, je l'oublie quelquefois. Tu as raison. Il reste si peu de traces. Pour Edna, qu'as-tu décidé? Soigne-la. Alimente-la. Plus tard, j'aviserai. Elle s'est échappée. Par là.
pas d'autres détails qui aient retenu votre attention? Ma foi, non. Ah, si. Ah. Edna m'a dit que cette femme portait toujours un très large collier de perles. Vous voyez ce que je veux dire? Un collier très haut et très serré. Oui, mais je n'en suis pas plus avancé. Bon, merci. Je voulais signer. Allez, vous pouvez disposer, mademoiselle. Jolie fille, hein? Et toujours la série des filles aux yeux bleus. Toujours. Et toutes des étudiantes, même âge, même genre de beauté. Et toutes disparues mystérieusement. Et celle-là, c'est une Suisse, alors tu imagines l'ambassade, les coups de téléphone. Oh là. Dites-moi, puisqu'on est dans les séries des filles aux yeux bleus, la mienne, la petite, là, qu'est-ce que je fais d'elle? Oh, elle a fauché un truc dans un magasin. Ah ben, passe-lui un savon, il laisse la filer. Bon. Prends quand même son adresse. Ça peut servir. Eh oui. C'est comme ça qu'on finit ses jours en prison. C'est la première fois. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Ben, la prochaine fois, c'est la correctionnelle. Allez, donnez-moi votre adresse. 12 rue des Pyrénées, 20e. Disparaissez maintenant. J'étais sûr de réussir. Et dire que tu doutais de moi. Maintenant, tu as ton beau visage. Ton vrai visage. Tu vas pouvoir revivre. C'est vrai. Il faut aussi que je ressuscite pour les autres. Comment faire? Pour commencer, tu voyageras. Un grand voyage. Je te procurerai des papiers. Tu pourras te choisir un nom. C'est amusant, ça. Un visage nouveau. Identité nouvelle. Moi, Christiane, je vous trouve encore plus belle qu'avant. Comment dire, avec quelque chose d'angélique que vous n'aviez pas. Angélique, je ne sais pas. Quand je suis devant la glace, j'ai l'impression d'être devant quelqu'un qui me ressemble et qui revient très loin. Très loin. Et Jacques. Oui, Jacques. Évidemment, ça pose un problème. Je lui expliquerai. T'aimes tellement. Tu seras très heureux. Souris. Souris. Un pas total. J'arrive tout de suite. Encore une urgence. Vous m'accompagnez. Je suis désolé, ma chérie. J'espère. Non. Pourquoi?
Pourquoi? Pour rien. Tu as bonne mine. C'est tout. À demain, ma chérie. Je ne serai pas très longue. Je reviendrai vous dire bonsoir. Tu semblais inquiet en l'examinant. Inquiet? Tu as trop d'imagination. Pourquoi mens-tu? Depuis le temps que je te connais, je lis sur ton visage. Dis-moi la vérité. C'est raté. Février, 20 février, une semaine après la cicatrisation, quelques taches de pigmentation apparaissent. Plus tard, la palpation révèle de petits nodules sous-cutanés. Le 12e jour, la nécrose du greffon hétéroplastique est patente. 20e jour, les premières ulcérations se produisent accompagnées d'un décollement du derme et de signes d'infection. Le greffon nécrosé doit être retiré. Avec le premier chien venu, tout est possible. Voilà. Il faut se contenter de cette chiennerie. Allô? Allô? Allô, j'écoute. Mais parlez. Oh, que c'est agaçant. Mais répondez donc. Jacques. Jacques. Christiane. Christiane, vous êtes folle. À qui téléphoniez-vous? Ma personne. Est-ce que vous vous rendez compte de votre imprudence? Oui, je sais. Les morts doivent se taire. Mais alors que je devienne morte pour de bon, je n'en peux plus. Ne plus oser se regarder. Ne plus oser porter la main sur son visage. Avoir peur d'y sentir les sillons, les crevasses, cette peau comme de la baudruche. Calmez-vous, mon petit. Faites-lui confiance. Il va réussir, j'en suis sûre. Vous mentez. Il ne réussira jamais, je le sais. Il continuera sur moi ses expériences comme sur ses chiens. Un cobaye humain, quelle aubaine pour lui. Vous n'avez pas le droit de dire cela. Je veux mourir. Je vous en supplie. En bas, il y a des ampoules, ces piqûres qu'on fait aux chiens quand tout est râpé. Par pitié. Christiane. Taisez-vous.
n'en peux plus. N'en peux plus. Allô? Viens. Viens vite. J'en suis sûr, monsieur l'inspecteur, j'ai entendu la voix de Christiane. Oh, vous avez cru l'entendre. Et encore au téléphone. En avez-vous parlé au professeur Génessier? Bien entendu, mais pour lui, il n'y a aucun doute. Il a reconnu le corps de sa fille. Je sais bien, j'étais présent. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est peut-être une plaisanterie de mauvais goût qu'on vous a faite. Tout de même. Moi, docteur, je vous le répète, je ne travaille que sur des faits précis. Dans ces dossiers, j'en ai des témoignages. Avec des « je crois bien que », il me semble que... des signalements vagues. Là, là, le taxi rouge qui a pris celle-ci. Là, la jolie femme au large collier de chien en perles qui accompagnait cette autre. C'est... un collier de chien en perles? Oui, pourquoi? Ça vous rappelle quelque chose? Attendez. Oui, ça me rappelle quelqu'un. Vous m'aviez pourtant dit l'autre jour que tout était fini. Je l'espérais, mademoiselle Paulette Mérodon. Mais l'affaire a suivi la filière. On m'a trouvé trop indulgent. Alors, si je comprends bien, je suis fichue. C'est la prison. Le tribunal, d'abord. Le tribunal? Eh ben, tel que je les connais, mes parents, ils s'en remettront pas. Je pense à une chose. Il y aurait peut-être quand même un moyen d'éviter tout ça, mais... évidemment, ça exigerait beaucoup de discrétion. Et un peu d'intelligence. Oh, avec moi, pour la discrétion, vous n'avez rien à craindre. Et pour l'intelligence... enfin, si c'est pas trop compliqué. Non, vous allez voir. Il s'agit simplement d'un petit service à nous rendre. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Vous faire décolorer, pour commencer. Vous dites ça pour rire? Non, ce n'est pas le genre de la maison. Il faut que vous soyez plus blonde, beaucoup plus blonde. Ça, je ne sais pas si ça m'ira. Aucune importance. Ensuite, vous irez chez un médecin qui vous fera hospitaliser dans une clinique. Mais je ne suis pas malade. Vous direz quand même que vous l'êtes. Pour les détails, tu vas la mettre au courant. À la clinique, vous vous plaindrez de maux de tête. D'ailleurs, je vais vous noter tout ça par écrit. Je vais vous donner un mot pour le docteur Glaise. Le docteur Glaise, qui vous remettra une lettre pour le docteur Génessier. Allô, docteur Jacques Vernon? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, monsieur. Comment dites-vous? Non, attendez, je note. Paulette. Oh, je pense qu'elle pourra entrer demain matin. Oui, soyez tranquille, je ne la perdrai pas de vue. Oui, bien sûr, ce n'est que pour vérifier une hypothèse. C'est ça. S'il se passait quelque chose, je vous avertirai aussitôt. Au revoir, monsieur. Ça s'arrange. Très bien, docteur. Mademoiselle est entrée ce matin. Médecin traitant. Docteur Glaise. Voici sa lettre. Vous souffrez beaucoup? Oui. Enfin... par moment. Faites-lui faire un fond d'œil et un électroencéphalogramme dans la journée. Docteur,
On va me tendre? Non. J'espère que non. Ce serait dommage. Un électroencéphalogramme. Je m'en viens. Tu n'as pas peur, hein? C'est des amis. Tu veux me dire combien j'ai de doigts? Hein? Combien? Combien? Trois. Et cette fois, combien? Trois. Non. Deux. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bon espoir. Dites, docteur. Vous me le sauverez. Bien sûr. Ayez confiance, allez. Votre pronostic? Et le vôtre? Sommes d'accord. Fermez vos yeux. Ouvrez les yeux. Fermez-les. C'est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais vous faire la stimulation électrique. Ça ne fait pas mal. Ne bougez pas votre tête, ne bougez pas. Fermez. Continuez, continuez. Ouvrez les yeux. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez les yeux. Fermez-les. Ouvrez. Fermez. Faites-moi apporter le tracé dès que vous aurez terminé. Bien, monsieur. Ouvrez vos yeux. Fermez-les. Voilà. Rien de suspect chez la petite Paulette Méroudon. Entrez. Monsieur, le 15 a une hémorragie. Allez donc voir ça, Jacques. Bien, monsieur. Thank you.
Voici le tracé, monsieur. Bon. Aucune altération dans le tracé, ça. Faites-la sortir ce soir. Ça nous libérera un lit. Nous risquons une urgence cette nuit. Bien, monsieur. Pardon, madame, c'est bien à vous, je vais remettre ce bulletin. En effet, merci, mademoiselle. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, pour Paris? Oui. Quel numéro? Bozzaris 4284. Merci. Allô, maman? C'est Paulette. Non, non, tout va bien. J'arrive. À tout de suite. Combien je dois? Oh, rien du tout. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a comme moyen de transport pour aller à Paris? Ah, vous avez l'autobus à gauche en sortant au rond-point. Un petit quart d'heure à pied. Merci, madame. Est-ce que je peux vous déposer quelque part, mademoiselle? Je vais dans votre direction. Oh, avec plaisir, madame. Allô, inspecteur Parot. Ici Jacques Vernon. Comment, docteur? Elle est déjà partie? Eh bien, ça ne traîne pas dans votre clinique. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on les séquestre. Vous, qu'est-ce que je vous disais? Nous allons quand même nous assurer qu'elle est bien rentrée chez elle. Je vous remercie de nous avoir avertis. Au revoir, docteur. Il y a deux messieurs qui vous demandent à la clinique. Vous vous doutez bien que je n'ai pas le temps. Ils reviennent demain. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le professeur. Nous sommes désolés de vous déranger à une heure pareille. Nous voudrions savoir si mademoiselle Paulette Méroudon a bien quitté la clinique ce soir. Comment saviez-vous qu'elle devait sortir aujourd'hui? Ah ben, elle a téléphoné cet après-midi à sa mère pour lui annoncer son retour. Là-dessus, elle n'est pas rentrée chez elle. Alors... Alors nous nous sommes permis de venir vérifier. Oui. La vérification est très facile. D'ailleurs, j'avais donné l'ordre de renvoyer cette malade.
Mademoiselle Paulette Miroudon a quitté l'établissement. Je vais voir, monsieur. Alors, vous vous intéressez à cette jeune personne? Oui, elle est mêlée à une histoire assez embêtante que nous suivons. Alors nous aurions bien voulu la voir ce soir. J'ai malheureusement l'impression que vous vous y prenez un peu tard. Paulette Miroudon, voilà. D'ailleurs, ça me revient, une jeune fille avec les yeux clairs. Mmh. Elle a donné un coup de téléphone d'ici. Et je lui ai dit où il fallait aller prendre l'autobus. Vous voyez, je regrette, mais une fois franchi cette porte, mes balades ne m'appartiennent plus. Oui, oui, bien sûr, monsieur le professeur, je comprends ça. Eh bien alors, encore toutes nos excuses pour ce dérangement. Je vous en prie, messieurs. Eh bien alors, bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Mon petit Jacques, puisque vous sortez, soyez gentil de raccompagner ces messieurs. Messieurs, je m'en veux de vous avoir donné inutilement tout ce travail. Bon, ça n'a pas d'importance, docteur. Les fausses pistes, vous savez, on en a l'habitude. Ah oui, ça. Et puis, je me mets à votre place. On se fait un tas d'idées. Oui. Toutes ces coïncidences. Je voulais en avoir le cœur net. Eh bien, ça y est, nous en avons le cœur net. Et puisqu'on parle de cœur, je suis sûr que, pour vous, ça va s'arranger. De ce côté-là. Vous êtes jeune, docteur. Vous avez la vie devant vous. Oui. Merci, messieurs. Au revoir. Lâchez ça. Lâchez ça. Pourquoi ça? Thank you.
Oh, 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 oh.